vous accueillir ici pour ce colloque Espace et moi. Il s'est passé quoi? On a eu des intervenants qui sont venus nous parler de l'espace. Alors, il y a eu d'abord au matin des intervenants qui parlaient de l'espace de manière plus générale, comme Cédric Juliens, avec l'espace qui est toujours pour lui signifiant, et pour beaucoup d'ailleurs. Puis il y a eu Bruno Bellevaux qui, lui, s'est focalisé à la fois sur les plaines de jeu, mais en partant vraiment dans tous les sens, dans l'imaginaire et dans le côté ludique, et aussi de vivre ensemble à travers les plaines de jeu. Et puis il y a eu alors deux autres personnes qui nous parlaient des espaces en crèche, des aménagements autour des espaces en crèche. Et l'après-midi, on est rentré plus dans la matière, dans la pratique, avec des intervenants qui nous parlaient de leur expérience de terrain, de leur vécu aussi, où vraiment parfois, ils venaient de le vivre vraiment, ils étaient encore dedans, et d'autres qui avaient pu traverser ce moment pour réfléchir les aménagements d'espace. Terrasse qui va être un espace vert, et donc comme on a énormément de fenêtres, vous voyez là, elle est très grande, on voulait profiter, essayer de faire un va-et-vient entre l'extérieur et l'intérieur déjà, et amener un éveil d'essence comme Pascal le dit. Ici, au niveau des lignes directrices, j'ai pointé quelques éléments qui ont pour moi été, je vais dire, un fil conducteur dans les choix à faire, puisqu'au début, il y a sans doute, j'ai trop d'idées dans la tête, et donc ça me permet de garder le fil, de m'orienter. Et donc un des grands principes, c'est le fait que les espaces sont modulables. Donc l'espace de la ludothèque, tous les meubles sont sur des petits feutres, donc on peut les faire glisser partout, on peut moduler l'espace. Hormis la petite cabane en terre paille que vous voyez au milieu, qui elle est immuable, et sinon le reste peut bouger. Et ça, c'est quelque chose vraiment qui est super chouette, c'est que tout peut bouger. Cette salle, pour nous, ça a vraiment représenté un cocon. Et donc un cocon, c'est évidemment un lieu clos, qui est bien contenant, nourrissant, où petit à petit, nos petites chenilles, les petits enfants que nous rencontrons, vont pouvoir devenir des papillons en le détruisant. Et donc, c'est clair que cette salle, elle en a vu des constructions, mais aussi des déconstructions. Donc, je trouve ça intéressant, cette petite métaphore. Et donc, le but, évidemment, est que finalement, chaque enfant puisse voler de ses propres ailes et trouver sa propre autonomie et ce qui est juste pour lui. Je trouvais que c'était nourrissant, très très nourrissant, et de voir l'extérieur de l'approche de l'espace et l'intérieur au niveau des psychomotriciens qui sont vraiment allés creuser de manière beaucoup plus précise le rapport au patient, le rapport à l'espace, le rapport à un nouvel aménagement. Voilà, moi j'ai trouvé ça vraiment très, très bel accueil aussi. Je trouve que l'école, la haute école de la province de Namur nous a vraiment concocté une belle journée. Il faisait beau dehors, mais on n'en a pas souffert parce qu'on a mangé à l'extérieur. Bon petit sandwich, tout ça fait partie du plaisir à être ensemble dans ce genre de réunion, surtout que ça faisait 2 ans qu'on l'attendait. Voilà, donc un tout grand merci à vous. Alors la journée, ça fait longtemps que j'avais de nouveau envie un peu d'être entre psychomotes et de renouveler un petit peu mes connaissances. Et du coup, c'était super chouette ici d'être ici parce qu'il y avait plein de nouvelles idées, plein de nouvelles réflexions pour un peu redynamiser mon travail au quotidien. C'est fédérateur, ça rassemble. Je pense que déjà, en tant que psychomotricien, on a besoin de sentir qu'on n'est pas seul, qu'il y a plein de personnes qui œuvrent à essayer de valoriser ce métier qui a toute son importance. Et du coup, aussi nous mettre en mouvement, qu'on soit toujours en mouvement par rapport à ce métier, par rapport à la réflexion, et qu'on s'enrichisse continuellement, parce que je pense que c'est un métier comme psychomotricien, c'est pas un métier qui va rester figé. Il continue d'évoluer, on est toujours en relation avec soi, avec les autres et avec le monde pour pouvoir mieux accompagner les bénéficiaires et l'environnement dans lequel ils grandissent.